J'ai besoin que quelqu'un m'explique ma place dans tout ça. Les ambassadeurs du chancelier suprême demandent l'autorisation de monter à bord. Je suis encore dans le cadre? Oh, oh, comment j'éteins ça? Ah, oui, bien sûr. Comme vous le savez, notre blocus est parfaitement légal. J'ai comme un mauvais pressentiment. Nous avons été autorisés à monter à bord. Il est temps pour nous d'engager les négociations. Bienvenue, ambassadeur. Je suis TC-14, à votre service. Votre visite nous honore, ambassadeur. Par ici, s'il vous plaît. J'ai toujours un mauvais pressentiment, vous savez. Oublie tes inquiétudes, Obi-Wan. Reste concentré sur ce qui se passe ici et maintenant. Maître Yoda dit qu'il faut être attentif au futur. Mais pas aux dépens du présent. Ton esprit doit rester attentif à la Force, jeune Padawan. Oui, maître. Par ici, ambassadeur. Installez-vous confortablement. Mon maître ne va pas tarder. Pensez-vous que leur vice-roi cédera aux injonctions du chancelier? Ces gens de la Fédération sont des lâches. Les négociations seront brèves. Quand elles finiront par commencer, est-ce normal que l'on attende aussi longtemps? Non. Je perçois une peur anormale pour quelque chose d'aussi anodin qu'un simple litige commercial. Ce bruit n'a rien d'anodin. Du Dioxys. Nous devons sortir d'ici. De négociations. Ce sas blindé ne devrait pas résister longtemps à nos sabres laser. Ou nous pourrions simplement passer par le côté. Que fait-on, maître? Ah.
D'invasion. Il faut aller sur la planète et alerter l'humanité. Ils sont mis dans une sélection. Serviteur. Partons avant que d'autres droïdes n'arrivent. Jar Jar, nous devons trouver un lieu sûr et alerter les Naboo de cette invasion. Excusez, Missa, mais le plus sûr endroit est Otofunga. Ça est une ville cachée. Tu veux nous y emmener? Ah ah, par ici, Missa. Bono, Missa, avertir-vous, Kungan n'aime pas Fagungan. Vous ça, pas bienvenu. Ne t'inquiète pas pour nous. Ce n'est pas notre jour de toute manière. Salut à vous ça, capitaine Tarpals. Missa revenu. Kenenien Jar Jar. Viens chez Boss. Dis ça dans mon caca. Hein? Sauvage! Tu aurais peut-être quelque chose à nous dire, Jar Jar. Missa honte. Mais Missa banni. Ah. Missa oublié. Pourtant, il semblerait que ce soit utile de se rappeler pourquoi. Comme je l'ai dit, idiot. Vas-tu nous éclairer sur la raison pour laquelle tu as été banni? Jar Jar gros balourd! Boum le gazeur! Zibouillé limousine du boss! Missa a dit! Ça a été accident! Oui! Jar Jar a accidentellement lâché le volant pour attraper Doriforme Miam Miam! L'armée droïde est sur le point d'attaquer les Naboo. Nous ça, précipitons les Naboo. Nous devons les avertir. Nous ça, donne-vous ça, un bon go.
Chemin direct pour Naboo. Oh. Basse par noyau planète. Qu'allez-vous faire de Jar Jar Binks? Partez avec lui. Maître, qu'est-ce qu'un bongo? Un véhicule, j'espère. Ça est sous-marin. Nous ça, trouver un dans la mégabulle. Où ça? Suivez Missa. Où ça, roulez-nous ça par ici. Passez par noyau planète. Oh, carobobo! Je suis bien plus inquiet de tes antécédents avec les sous-marins. Nous ça, voilà. Porte fermée. Mais laissez faire Missa. N'aie crainte. Ce n'est pas lui qui conduira. Boussa Tango, passez par noyau planète. Voici Boussa Bongo, dès que Boussa prêt à être écrabouillé. Ne t'inquiète pas, la force nous guidera. La force? Oh! Non! Vite, tire! Ah! Et ça fait trop d'erreurs! Il faut que cette créature se pousse. Tire-lui dessus, Obi-Wan! Il y en aura toujours un plus gros. On perd de la puissance. Reste calme, nous ne sommes pas encore en danger. Vous ça, Dingo? Quand est le danger pour vous ça? Sans se revient. Le monde marche! Marche avant, toutes! Missa dit que noyau planète, car au bobo! Ton optimisme constant est vraiment encourageant, Clarja. Il s'amuse avec nous. Oui, mais nous devrions encore pouvoir le blesser. Encore faim.
très joli. Nous devons trouver la reine. Ah, victoire! Ah, saleté de chaise! Mécaniques sont la reine. Je suppose qu'ils vont l'amener dans leur vaisseau. Si leur vaisseau se trouve dans le hangar, ça nous donne le temps de les intercepter. Arrêtez-vous là. Ça y est, c'est fini? Je crois. Mais qui devons-nous remercier de nous avoir sauvés? Nous sommes les ambassadeurs du chancelier suprême. Il est urgent d'entrer en contact avec la République. Vous avez des vaisseaux? Dans le grand hangar, par ici. Vous, ça, Kaïd ? Ce n'est pas très loin. Restez tout près. C'est dangereux pour la reine ici. Nous devons partir immédiatement pour Coruscant, au sein de la République. D'autres droïdes ? Elle ne laissait pas s'échapper. Votre Altesse, reculez! Voici le vaisseau de son Altesse royale. Prêt à partir ?
Voilà le blocus. Générateur de bouclier touché. Ça repart. Ce petit droïde a réussi. On va manquer d'énergie pour aller jusqu'à Coruscant. L'hyperdrive fuit. Là, maître, Tatooine. Une petite planète, isolée, pauvre. La Fédération du Commerce en est absente. Tatooine, tu dis? Tu as des suggestions pour... Attendez. La reine ordonne que je vous accompagne. Elle a de la curiosité pour cette planète. Qui ça? Vous ça? Je suis Padmé, une des suivantes de la reine. C'est une mauvaise idée. Mais si c'est ce que la reine souhaite... Maintenant, trouvons un mécanicien qui vend les pièces dont nous avons besoin. Demandons autour de nous. Je sais ce dont tu as besoin. Tu as besoin d'un petit chapeau à hélice pour ton petit astromécano crasseux. Il aura un peu plus confiance en lui. Non, mais c'est vrai, hein? Sans blague. Ah, j'y connais rien en réparation de vaisseau. Va plutôt dans la rue, là-bas, pour voir une course de modules. C'est bien plus passionnant que réparer des hyperdrives, je te le dis. Je parie que tu cherches des pièces. Je m'en doutais, c'est pareil pour tout le monde. Il faut aller voir Watto. Son magasin est de l'autre côté de la ville.